La radiothérapie stéréotaxique est une technique d'irradiation de haute précision qui consiste à délivrer une très forte dose dans une tumeur de petit volume en quelques séances, le plus souvent 3 à 10 séances selon les cas. Les tissus sains sont ainsi épargnés, ce qui confère à cette technique un fort potentiel en termes de contrôle tumoral et de tolérance du traitement. Sa mise en œuvre comporte plusieurs niveaux d'exigence, en particulier une définition précise de la cible par l'imagerie multimodalité et un contrôle du positionnement du patient et de la tumeur avant et pendant la séance. Les principales indications sont le cancer bronchique localisé chez le patient inopérable, les métastases cérébrales chez les patients sélectionnés et certaines tumeurs primitives hépatiques. Des études récentes renvoient un signal fort sur l'intérêt d'un traitement local ablatif par radiothérapie stéréotaxique chez des patients en situation métastatique ou en cas de récidive locale en zone traitée. Cette technique est de plus en plus proposée aux patients en alternative au traitement chirurgical, souvent plus invasif. La radiothérapie stéréotaxique est effective au CHU de Nîmes depuis mars 2019. C'est une vraie valeur ajoutée pour le patient gardois au vu du nombre grandissant des indications. Dans cet enjeu, notre équipe médico-physique est partenaire de celle de l'Institut du cancer de Montpellier au travers de la Fédération universitaire Montpellier-Nîmes pour garantir la sécurité des patients et la qualité des traitements. La thrombectomie cérébrale au CHU de Nîmes a eu lieu en 2019, le 4 décembre. C'est un projet qui permet de sauver des vies. C'est quoi ? C'est une équipe pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle. C'est une chaîne humaine dans le respect de tous et la collaboration de tous. Ce sont des IRM de haut niveau. C'est une concertation pour les prises de décision. Ça nécessite une intervention qui peut durer de 1 heure à 3 heures. C'est un temps qu'il convient de respecter. C'est au final une vie qui est sauvée. Cela a nécessité une forte collaboration entre Montpellier et Nîmes, une synergie forte entre les médecins et la direction. C'est un projet territorial qui permet de s'étendre sur le bassin de la Basse-Vallée des Rhônes, sur Arles, et au total, c'est une réussite. Je vais vous parler de l'Office Surgery, qui est un des nouveaux projets phares du service d'orthopédie et qui sera probablement étendu avec les services d'ophtalmo dans le pôle chirurgie. Il s'agit d'un nouveau procédé chirurgical avec un nouveau parcours patient qui permet d'éviter au patient d'être déshabillé, qui préserve sa dignité de manière importante. Le pôle de chirurgie, en particulier le service d'orthopédie, est particulièrement investi dans ce type de chirurgie. On a réussi à développer une filière spécifique pour le canal carpien, le doigt à ressaut, qui nous a permis actuellement d'avoir une réputation nationale, voire internationale, sur cet item-là. Cet item nous tient à cœur dans le service, car on a un vrai retour sur les patients. On a d'ailleurs fait une étude grâce au DIM qui a montré un taux de satisfaction qui est très élevé des patients pour ce type de parcours où il y a finalement très peu d'intervenants, et on a réussi en même temps à optimiser les coûts de ce genre de pratique avec en même temps une amélioration du coût carbone de ce type de pratique, car on utilise beaucoup moins de produits que lorsqu'on le fait au bloc opératoire. Et au vu de l'avenir de notre planète, c'est une stratégie qui sera intéressante à développer dans les futurs bâtiments de l'hôpital. L'année 2019 a vu la naissance de nouveaux venus sur le bloc opératoire, puisqu'en septembre, nous avons ouvert le centre ambulatoire Carrémont Sud. Il s'agit d'un plateau technique de 4 salles d'intervention adossées au bloc central et qui permet une prise en charge chirurgicale sur une durée d'hospitalisation relativement courte, de quelques heures. Cela permet de prendre en charge des patients pour différentes chirurgies, l'ophtalmologie, la chirurgie orale, digestive, urologie, l'orthopédie, bien sûr l'endoscopie diagnostique. Et nous accueillerons à partir de 2020 la chirurgie plastique. Le plateau technique et ce projet sont l'exemple de la synergie excellente qui peut exister au sein des différentes équipes médicales, paramédicales et des structures d'appui au sein de notre établissement.
novembre 2019, nous avons ouvert l'unité périopératoire de gériatrie. C'est une nouvelle unité innovante pour accueillir des patients gériatriques, c'est-à-dire des malades de plus de 75 ans, polypathologiques, qui au cours de leur séjour vont bénéficier d'un acte de chirurgie. Donc nous avons choisi de démarrer avec des patients qui seraient opérés du col du fémur suite à une fracture ou d'une occlusion digestive. L'idée de l'unité, c'est de proposer à nos patients âgés, fragiles, une seule unité où interviennent autour d'eux tous les prestataires nécessaires, le médecin gériatre, le chirurgien, l'anesthésiste, et donc de simplifier leur parcours au sein de l'hôpital, tout en prévenant les risques liés au grand âge lors de l'hospitalisation, que sont la confusion, la dénutrition avec le risque d'escarre, l'immobilisation et l'incontinence des nouveaux. À partir du mois de janvier, cette unité passera à 30 lits, avec sur les 6 premiers mois, 15 lits donc, du POG, d'unité périopératoire de gériatrie, et 15 lits plus classiques de médecine gériatrique pour répondre à l'afflux des malades âgés l'hiver aux urgences. Le modèle de départ de l'UPOG est plutôt centré sur la chirurgie orthopédique et la fracture du col du fémur, ainsi que la chirurgie viscérale avec les malades occlus volontiers en situation de néoplasie. Dans les 6 mois à venir, l'idée étant d'élargir le champ des malades admis en UPOG aux autres spécialités chirurgicales, notamment la chirurgie vasculaire et éventuellement l'urologie. Alors vous savez peut-être qu'on a une autorisation de prélèvement d'organes depuis 1999. Ces prélèvements, ils se font depuis donc plus de 20 ans. Et très récemment, la loi a évolué et nous a permis de faire des prélèvements d'organes chez des patients pour lesquels une décision d'arrêt, de limitation des thérapeutiques actives avait été décidée. Tout ça dans le cadre de la loi Leonetti. Alors cette nouvelle modalité de prélèvement qu'on appelle Maastricht 3, elle est fondamentale parce qu'il y a à l'heure actuelle 24 000 patients en liste d'attente et sur ces 24 000 patients, il n'y en a qu'un quart qui seront greffés. Et donc évidemment, le corollaire de tout ça, c'est qu'il y a des patients qui vont mourir sur liste d'attente faute de ne pas avoir été prélevés. Donc cette nouvelle modalité de prélèvement, elle permet d'augmenter les chances pour les receveurs d'être transplantés. Et c'est une modalité très particulière qui demande des autorisations très complexes. Et ces autorisations, nous les avons eues en avril. Il y a eu une réunion au CHU pour expliquer à tout le personnel cette nouvelle modalité de prélèvement. Et une fois cette autorisation obtenue en avril, nous avons pu, depuis avril, réaliser 3 prélèvements d'organes qui ont permis 8 transplantations selon cette modalité. Donc on a permis à 8 personnes d'être transplantées. Et tout ça n'a été possible que par la mobilisation de tous les corps de métier de l'hôpital. Et donc je tenais très sincèrement à remercier tous les acteurs de ce prélèvement, chirurgiens, personnel administratif, laboratoire, anesthésie, réanimation, d'avoir permis la réalisation de ce beau projet. Merci à tous. L'année 2019 a permis de démontrer notre engagement dans la qualité et la sécurité des soins avec l'obtention d'une certification en A par la Haute Autorité de Santé. Alors certes, cela n'est pas une fin en soi, mais cela permet de démontrer l'implication de nos équipes et l'engagement de chacun pour améliorer au quotidien nos pratiques, nos organisations, la qualité et la sécurité des prises en charge. Le bâtiment Neurosciences, qui accueille depuis un mois maintenant le service de neurologie, réunit l'unité de soins intensifs neurovasculaires, l'UZNV, et l'hospitalisation complète. C'est un progrès important pour nous, puisqu'on a pu étendre les lits du ZNV de 8 à 12 lits et pouvoir débuter ainsi le projet de thrombectomie avec la collaboration des équipes de neuroradiologie interventionnelle de Montpellier avec le professeur Vincent Costala et puis le professeur Jean-Paul Berigy ici au CHU, les anesthésistes, le service des urgences, le SAMU et mettre en place un parcours de soins complet qui permet en plus de la thrombolyse qui est un traitement classique de la prise en charge des AVC à la phase aiguë, d'avoir la thrombectomie disponible sur nuit pour les patients du territoire. Alors, ce nouveau bâtiment nous amène beaucoup de luminosité, de l'espace optimisé, des conditions de travail idéales de par leur équipement des chambres. Aussi la chance d'avoir
des bureaux à proximité directe des unités de soins et un secrétariat qui permet aussi de fonctionner dans des bien meilleures conditions, ce qui fait que finalement on se retrouve dans ce bâtiment dans d'excellentes conditions à la fois pour les soignants, pour les patients et pour tout le travail administratif autour de la prise en charge des patients avec un parcours patient qui a été revu et optimisé. Et puis on garde dans l'ancien bâtiment l'hospitalisation de jour, la consultation dans une autre unité de neurologie qui va pouvoir s'étendre également et accueillir une augmentation de l'activité progressive du service. Et normalement, la neurochirurgie va rejoindre le bâtiment neurosciences et s'installer au rez-de-chaussée. Et les blocs opératoires vont pouvoir être mis également en fonctionnement. Dans ces blocs, il y aura aussi une salle de neuroradiologie interventionnelle pour la thrombectomie qui va permettre d'optimiser encore le parcours patient avec une prise en charge qui va être directement réalisée à l'intérieur même de ce bâtiment. Et le patient pourra être transféré dans la foulée en unité de soins intensifs neurovasculaires. En 2019, le Centre de formation des assistants de régulation médicale, ou CEFARM, des CHU de Nîmes, Montpellier, Nice et Toulouse, a vu le jour. Ce centre de formation, qui est l'un des 10 agréés en France par le ministère de la Santé, répond à la création d'un diplôme spécifique à cette profession d'armes, qui sont les personnels qui répondent au centre 15. Le CHU de Nîmes assure la coordination de ce centre de formation qui contient 40 élèves répartis sur les 4 CHU. Cette formation est basée sur une pédagogie active, centrée sur la mise en situation simulée, réalisée dans ce type d'environnement reproduisant les salles de régulation et va durer un an et sera renouvelée tous les ans pour un agrément qui dure 5 ans. Elle repose sur un enseignement assuré par des spécialistes, dont les médecins régulateurs, mais surtout sur les compétences et l'expérience d'assistants de régulation médicale qui sont chargés de l'enseignement et de la coordination. Cette formation permet la reconnaissance d'un métier sur lequel nous sommes le premier maillon de la chaîne médicale d'urgence. C'est une formation diplômante. Elle vise à améliorer le service rendu à la population en termes de communication, en termes de qualité d'écoute et notamment le guidage des gestes d'urgence. En réanimation en anesthésie, nous collaborons depuis 2012 avec l'Université du Queensland à Brisbane avec nos collègues australiens Jeffrey Lipman et Jason Roberts sur le thème de l'optimisation des traitements antibiotiques pour le patient de réanimation. Donc cette collaboration va dans les deux sens. Premièrement, nous permettons aux Australiens de pouvoir bénéficier de l'inclusion de patients français dans ces essais thérapeutiques, à Nîmes et dans d'autres centres français avec qui nous travaillons. Et puis de notre côté, améliorer aussi notre expertise dans leur domaine de recherche, c'est-à-dire l'optimisation du traitement antibiotique et du traitement anti-infectieux chez les patients de réanimation. Et donc cette collaboration s'est matérialisée en 2019 par un accord avec l'Université du Queensland et les professeurs Jeffrey Lipman et Jason Roberts, une collaboration d'ordre institutionnel, puisqu'il y a un accord signé entre les deux universités, entre le CHU et l'Université du Queensland. Ceci nous permet un petit peu d'avoir une autre vision du service, c'est-à-dire que le service de réanimation maintenant n'est pas simplement sur Nîmes, mais existe aussi un petit peu à Brisbane, puisque ces gens-là peuvent intervenir sur nos pratiques de recherche. Le SDI du CHU pour les années à venir repose sur des constats simples par rapport aux activités aujourd'hui. Force est de constater effectivement que le CHU connaît une croissance d'activité majeure et qu'aujourd'hui les surfaces, les bâtiments, les espaces de stationnement non plus, et on le voit autour de nous, ne répondent plus correctement à l'ensemble de la patientèle. Donc aujourd'hui, un certain nombre de projets vont être réengagés ou vont être engagés pour retrouver, recréer des surfaces. Alors on étend la cité hospitalière, tout ça autour du plateau technique qu'est Carême au Sud, et on va étendre le bâtiment ICG, on va reconstruire un bâtiment à proximité du pavillon 3, on a engagé la construction d'un bâtiment également, la reconstruction de ce qu'on appelle l'ancien pavillon 3 avec le soin de suite de rééducation, la médecine gériatrique et le SMIT, et on va donc recompléter l'ensemble de l'offre de soins sur le CHU. Les grands moments sur l'année 2020,
Peut-être d'abord sur l'environnement global du site, le démarrage de la construction de silos de stationnement. Ensuite, la poursuite de travaux de restructuration ou de réorganisation au sein de Carrémo Nord et Carrémo Sud, des travaux qui sont déjà engagés pour certains, pour continuer la mise aux normes du pôle femmes-enfants, pour installer la médecine interventionnelle cardiologique, pour repositionner des équipements d'imagerie au sein du bâtiment neurosciences et poursuivre l'ensemble de cette modernisation. Les études et la réflexion et les études de conception, toujours sur cette année 2020, pour une surélévation du bâtiment Carrémo Sud, surélévation du bâtiment au niveau -1, en lien avec les urgences, donc quelque chose d'extrêmement majeur qui va conforter et fluidifier la prise en charge des urgences. La réalisation des études pour la reconstruction du pavillon 3, SSR, SMIT, médecine gériatrique. Et puis la poursuite de chantiers comme celui qu'on a derrière nous, l'IFMS.